Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo je vais vous parler de tous les secrets du nouveau mode de jeu zombie Noël Infernal de Call of Duty Cold War. Alors déjà quand vous allez lancer le nouveau mode de jeu Noël Infernal, vous ne pourrez pas réaliser le secret, ni le petit easter egg comme la confidence. Alors autre chose aussi, quand vous lancez une partie, vous pouvez voir qu'il y a le Père Noël avec ses rennes volants qui est en train de survoler la map et regardez ce qu'il a derrière son traîneau, c'est la boîte magique. Donc vous n'avez pas le droit à la boîte mystère. Alors dans ce mode de jeu, quand vous démarrez la partie, vous avez une petite musique du thème de Noël et à chaque fois que vous passez une manche, vous avez une petite musique d'intermanche de Noël. Alors bien entendu dans ce mode de jeu, les zombies ont un déguisement de Noël, donc ils ont tous un petit chapeau, les chiens sont déguisés en rennes, le mégaton est un Père Noël, quand il se divise en deux, et ben ça devient deux zombies avec une couronne de Noël autour de leur cou, et les zombies Brutus sont déguisés en sapin de Noël. Dans ce mode de jeu, vous avez aussi des petites boules de neige qui va vous permettre de congeler les zombies et quand vous allez les tuer, vous aurez une chance d'obtenir un cadeau, donc le cadeau c'est ce qui remplace la boîte mystère. Donc c'est la seule façon d'obtenir par exemple le pistolet laser, des armes de niveau supérieur genre rare, légendaire, épique. Et vous avez aussi des bonhommes de neige sur la map qui renferment des zombies, donc eux aussi peuvent vous donner des cadeaux. Alors les bonhommes de neige, quand vous les regardez, ils deviennent des zombies. Donc vous pouvez essayer de les tuer avant qu'ils deviennent des zombies et obtenir un cadeau. Ou alors vous attendez qu'ils deviennent un zombie, vous le tuez et vous pouvez obtenir aussi un cadeau. Alors pour obtenir un maximum de cadeaux, je vous conseille de congeler tous les zombies qu'il y a devant vous. Comme ça, vous avez plus de chances que ça vous donne des cadeaux. Et pour les emplacements des boules de neige et les bonhommes de neige, ils sont tous aléatoires. L'état de boules de neige s'use au fur et à mesure que vous en prenez. Vous avez le droit à 5 boules de neige avant qu'ils disparaissent. Ensuite, ne vous tracassez pas, ils respawnent dans la map au fur et à mesure des manches. Et pareil, les bonhommes de neige respawnent au fur et à mesure que vous passez des manches. Donc ils peuvent apparaître en plein milieu de la map, là où vous n'en aviez jamais vu. Alors ce qui est bien avec ce bonhomme de neige, c'est qu'il y a toujours un zombie qui en sort, donc vous pouvez faire un maximum de points. Alors vous pouvez aussi obtenir du charbon, donc ça c'est possible qu'un zombie à la place de vous donner par exemple une boule de neige, parce que c'est possible qu'il vous laisse tomber des boules de neige, et bien il vous laisse tomber du charbon. Alors le charbon je l'ai utilisé contre un zombie mais ça n'a rien fait du tout. Ça lui a juste infligé des dégâts, point barre. Et la dernière petite nouveauté, c'est qu'ils ont mis un nouveau bonus. C'est un bonus avec une chaussette et quand vous la prenez, il y aura une lumière rouge ouverte. Si c'est la lumière verte, ça veut dire que vous avez été gentil et vous obtiendrez un cadeau. Mais s'il est rouge, il y aura des chiens qui vous attaqueront. Mais je pense que même quand il est vert, il y a des chiens qui apparaissent aussi. Mais au moins, vous avez un cadeau. Ah oui, et dernière chose, la map est bien sûr décorée avec des décorations de Noël. Genre un grand sapin au spawn, genre des sucres d'orge un peu partout, des couronnes de Noël, des petits bonhommes casse-noisettes, des rennes, des boules de décoration de sapin et même des écritures « Happy Holiday ». Ah oui, et une dernière petite chose, les noms des zombies, des chiens et des mégatons, ils les ont changés au thème de Noël. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos des secrets de ce nouveau mode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.